Donc Raspoutine, c'est un cheval qu'on a acheté avec Olivier Boiteau l'année dernière. C'est un propriétaire qui m'aide à trouver une relève à mes chevaux de tête. Actuellement, il a 5 ans. On l'a acheté en Allemagne alors qu'il avait 4 ans. Donc il y a eu tout un travail pour le remettre un petit peu en confiance. Il avait eu un débourrage un peu léger et pas très bien mené, donc il fallait le remettre en route correctement. Ça a pris un petit peu de temps. Il évolue très très bien depuis le mois de janvier. Et à chaque concours, il a pris de la maturité pour aujourd'hui faire un cheval de concours pratique et concentré. Alors les deux jours de concours, ça s'est bien passé. Il s'est très bien comporté sur ce grand terrain en herbe. Il m'a présenté un beau dressage où il a été très à l'écoute. Donc, je suis contente de ce qu'on a présenté. Il s'est un tout petit peu laissé déconcentrer par le photographe, mais il s'est vite remis dans le travail. Et puis aujourd'hui, la maniabilité, un petit peu les pieds dans l'eau, ça s'est bien passé aussi. Il a regardé un petit peu la déco, donc les chandeliers, les pots de fleurs, etc. Mais pareil, il se remet vite dans le travail. C'est vraiment le comportement qu'on a, qui d'un jeune cheval normal, quoi. Les objectifs avec lui, c'est de participer au circuit SHF en Q2. Puis je pense que l'année prochaine, milieu de saison, il va commencer à faire peut-être quelques concours amateurs gentiment en déroulant son dressage et sa mania normalement, et puis de la découverte dans les obstacles de marathon pour que l'année des 7 ans, il soit prêt à sortir sur un plus haut niveau directement en ayant un peu d'expérience dans les obstacles gentiment l'année prochaine. Voilà, je voulais remercier l'équipe qui m'a suivie ce week-end, Claire Breuillet qui m'a groomée, qui s'est occupée des chevaux, qui m'a accompagnée, et puis bien sûr Olivier qui me sponsorise en partie donc avec l'achat de ce cheval, et mes parents qui me suivent tout le temps, surtout le long de la saison.